Débat houleux, apartheid de toute nature et désistement étaient à l'ordre du jour de l'élection du maire de Libreville entre le candidat PDG CLR, Rose Christiane Osuka, et le candidat indépendant Jean Eyigendon. Le mode d'élection, c'est celui que nous proposons. Vous ne pouvez pas le changer. Non, mais vous voyez, vous non, vous n'êtes pas une majorité, 102, vous êtes 42, CLR, 61, PDG. Si on parle politique, nous faisons une coalition, la coalition existe. Vous, ça, vous l'avez fait où? Dépité et après plusieurs heures d'attente, le candidat indépendant Jean Eyigendon finit par claquer la porte. Je suis candidat des populations de Libreville. Je suis candidat des populations de Libreville. Maintenant, les conditions qu'on met en œuvre pour passer à ces élections, ça... on va voir. Malgré le départ de la salle du scrutin de Jean Eyigendon et 48 autres personnes, l'élection s'est poursuivie avec sérénité. Il y avait une candidature unique présentée à la fois par le PDG et le CLR. Il s'agissait de la candidature de Mme Rose Christiane Osuka Raponda. Le vote donne ceci. Inscrit 151. Votant 103. Bulletin blanc ou nul, 0. Suffrage exprimé, 103. Est élue maire de la commune de Libreville, Madame Rose Christiane Osuka Raponda, avec un pourcentage de 100%. Satisfait, le maire et son premier adjoint se livrent. Les conseillers municipaux, à qui j'adresse au nom de la coalition PDG-CNR, ont su montrer avec force justement cette vision, cette volonté de mettre en œuvre la vision du président de la République. Et nous en sommes satisfaits pour le bienfait des Libreville-Lois. Le centre de décision de la commune de Libreville se trouve entre nos deux mains. Donc à partir de moi, ils doivent être satisfaits. Et moi, j'ai ce rôle important, imminent, c'est celui de gérer les jeunes. Et je suis heureux de constater que la mairesse qu'on met sur mon toit, c'est vraiment une jeune. Je vous dirai une chose, je rentrerai dans le bureau de la mairesse avec mes idées, mais je sortirai avec ses idées. Que nous soyons absolument en harmonie. La nouvelle équipe de la mairie de Libreville entend impulser une nouvelle dynamique à cette institution et améliorer les conditions de vie des Librevillois.